Bonjour et bienvenue sur Rollis TV, nous sommes encore à Octogone et on est sur le stand de Game on Tabletop, comme le prouve ce superbe kakemono, très design pour le coup. C'est, vous avez sûrement le stand le plus design d'Octogone. Je sais pas, il y a des jolis stands ici quand même. Et donc on est avec Laura pour discuter un petit peu de Game on Tabletop, l'évolution, qu'est-ce que c'est également. Alors déjà, peux-tu te présenter toi et un petit peu, qu'est-ce qui t'a amené sur cette nouvelle plateforme de financement participatif? Donc voilà, moi c'est Laura Hoffman, et du coup je m'occupe donc de Game on Tabletop dans son intégralité, donc je suis business manager, c'est-à-dire je suis à la fois en contact avec les créateurs de projets sur notre plateforme, ainsi avec tout le monde pour faire avancer cette plateforme de financement participatif dédiée aux jeux. Donc Game on Tabletop, voilà, c'est du crowdfunding pour les joueurs, par les joueurs, donc c'est du financement participatif pour le jeu traditionnel, pour le jeu sur table. Alors Game on Tabletop, c'est une nouvelle plateforme, c'est aussi une sorte d'évolution d'une plateforme qui existait, donc on va essayer de voir un petit peu tout ça. Il y avait la plateforme de financement participatif Black Book, qui servait pour Black Book et d'autres éditeurs francophones, uniquement pour du jeu de rôle. Game on Tabletop, c'est international, c'est pas forcément que du jeu de rôle. Comment ça se passe maintenant? Quelle est l'évolution? Comment ça s'est créé? Donc effectivement, l'outil qui est utilisé par Game on Tabletop est l'outil qui a été utilisé sur la plateforme de financement de Casus Belli avant, qui a été créé par Black Book Edition pour pouvoir faire du financement participatif pour leur jeu de rôle en France, et qui du coup a suscité l'intérêt des autres éditeurs. Donc ils ont rejoint Black Book sur la plateforme Casus Belli en France, mais ils ont eu de plus en plus de demandes aussi de l'extérieur, de l'international. Maintenant, c'est une activité différente de l'activité de l'éditeur. C'est pour ça que ça a été entièrement sorti de la structure de Black Book Edition et est né Game on Tabletop, donc, qui est une structure entièrement à part, qui donc est cette plateforme de financement participatif qui maintenant accueille des projets à l'international et qui accueille aussi toutes sortes de jeux, enfin de projets ludiques, donc notamment des jeux de plateau, jeux de figurines, jeux de cartes, même une association de jeux, un salon de jeux, quelque chose comme ça peut être financé via Game on Tabletop. Donc ça s'intéresse au milieu ludique en général. On a déjà d'autres plateformes qui existent, vous avez des concurrents. Alors je suis petit créateur, j'ai un jeu, je regarde un petit peu ce qui se fait, et quels sont les avantages pour vous de Game on Tabletop? Qu'est-ce que vous proposez aux gens qui disent j'aimerais bien financer mon jeu sur votre plateforme? Alors avec Game on Tabletop, on a pris ce qui existait déjà pour le crowdfunding et on l'a en quelque sorte amené sur un nouveau niveau, parce que la plateforme, elle présente beaucoup plus de fonctionnalités. En fait, elle permet de mener un projet du début à la fin, y compris en fait la gestion de la comptabilité, la gestion du projet en termes de coûts, de financement, d'avoir une vision en temps réel des ventes exactes, y compris des options, de tout ce qui se débloque avec une automatisation de plein de choses, comme par exemple les paliers qui se mettent en ligne automatiquement. En plus de ça, toutes les personnes qui travaillent pour Game on Tabletop sont des personnes avec un background dans le milieu ludique, donc qui apportent leurs connaissances et leurs expertises, ce qui nous permet en fait de faire un suivi des projets du début à la fin, donc à la fois du conseil, de la création de campagnes, on peut faire un suivi de production, on peut faire des campagnes marketing dédiées, on peut faire des envois, et donc comme ça on est capable à la fois d'aider un petit créateur qui ne connaît pas, d'éviter les plus grands pièges liés au financement participatif, et à la fois permettre aux plus grands éditeurs, aux plus grandes structures d'avoir un outil complet qui leur permet de se focaliser en fait sur la création du jeu et d'avoir tous les exports, de pouvoir gérer leur comptabilité, pouvoir gérer leurs frais, etc. avec plus d'efficacité. Alors du coup, ça s'est ouvert à l'international. On a eu bien évidemment des jeux français, il y a Necromundo notamment actuellement, il y a eu des jeux allemands. Comment vous allez petit à petit, est-ce que vous faites connaître un peu des jeux italiens, des jeux espagnols ou autres? Est-ce que vous avez encore une petite démarche à faire ou ça commence à venir tout doucement? Alors ça commence déjà à venir tout doucement, donc effectivement on a pas mal de jeux français, on a pas mal de jeux allemands notamment, on a eu le plus grand succès pour une création de jeux de rôle allemand sur la plateforme Game on Tabletop récemment avec Hexen.
En plus de ça, nous, on a eu les premières campagnes de late pledge américains. Donc, en fait, c'est des projets qui étaient déjà financés sur d'autres plateformes, mais qui ont utilisé Game & Table Tap en tant que pledge manager pour rassembler plus de fonds après. Nous, on est présents, bien évidemment, sur la plupart des grands salons sur lesquels on a commencé à faire la démarche vers d'autres éditeurs à l'international, donc notamment la Gen Con à Indianapolis. On sera à SN à la fin du mois. On sera à PAX Unplugged en novembre. Et du coup, voilà, les contacts se créent. Game & Tabletop, ça a été lancé en juin de cette année. Donc c'est tout récent, en fait, sous cette structure-là. Et du coup, on est déjà très contents du résultat du monde qui a pu venir. Et effectivement, on a les contacts maintenant en Italie, en Pologne. Il y a des choses qui vont se mettre en place pour justement amener tout ce monde ludique sur la même plateforme. Et alors, la petite question, je suppose que tu as une petite vision de projets qui vont arriver. Vous êtes peut-être déjà en contact avec des futurs projets. Allez, d'ici la fin de l'année, est-ce qu'il y a des gros jeux de rôle qui vont arriver, que ce soit en français, en allemand, en espagnol ? Alors, il y a quelques petits projets qui vont quand même arriver. C'est toujours difficile de dire si ça va être le plus grand succès du monde, hein, ou pas. Là, on a des choses qui vont arriver, notamment avec le studio Dead Crows qui va lancer donc Monster of the Week à la fin du mois d'octobre. Donc, on est très contents. On a hâte de voir ce que ça va donner. Après, il y a d'autres projets dans les tuyaux sur lesquels je ne peux pas encore trop parler. Mais voilà, on croisera les doigts. On vous prépare des jolies choses encore pour la fin de l'année, normalement. Et si je dois te demander, là, ton coup de cœur ludique dernièrement, qu'est-ce que tu as eu comme coup de cœur ludique ? Mon coup de cœur ludique dernièrement, j'avoue que j'ai pas trop testé les nouveautés parce que j'avais plein de jeux à rattraper dernièrement. Donc, j'ai pas spécialement de coup de cœur ludique. Moi, j'attends beaucoup de la nouvelle édition de Torg, même si moi, j'ai pas encore pu y jouer. Mais ça a l'air assez sympathique. Et voilà, sinon, moi, je suis surtout rattrapé d'anciens jeux que je n'avais pas encore testés. Eh ben merci Laura, je pense qu'on en sait maintenant un petit peu plus sur Game & Tabletop. Donc bien évidemment, si vous avez un jeu à lancer ou une autre manifestation dans l'univers ludique, vous pouvez faire appel, vous pouvez faire contact. Et puis on se retrouve très bientôt sur Rollis TV. Merci beaucoup.